Eh bien salut à tous mes chers amis gamers, ici Mifa24, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, pour ma part je vais extrêmement bien, et aujourd'hui on attaque la deuxième vidéo de cette playlist un peu particulière. Aujourd'hui, comme vous pouvez constater, je vais vous présenter mon Discord. Oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai donc créé un Discord il y a quelques temps de cela, pour pouvoir interagir le plus possible avec vous mes abonnés, mais également vous mes viewers de Twitch. Ensuite, vous avez le lien dans la description de la vidéo pour pouvoir rejoindre directement Discord. À savoir, Discord c'est un logiciel de communication totalement gratuite qui ressemble énormément à TS, voire même Skype, mais en beaucoup mieux. J'espère que j'ai pas trop cafouillé parce que parfois quand je parle extrêmement vite, je cafouille un peu et du coup je m'en excuse d'avance. Bref, vous avez juste donc à cliquer dans la description de la vidéo, comme ça vous tomberez directement sur mon Discord. J'ai créé différentes catégories sur mon Discord, une rubrique accueil, une rubrique information, une rubrique jeu, et également une rubrique admin, mais ça, admin, c'est par rapport à moi, également à mes modérateurs, afin de gérer mon Discord. Alors, quand vous allez directement tomber sur mon Discord, vous allez tomber dans la rubrique accueil des discussions, où vous aurez donc un petit message en disant « Yo !» avec @ votre pseudo, bienvenue sur Mifa24GameZone avec deux petits smileys, la fête et le petit smile vraiment qui va bien avec un petit aboutissement ou un petit coucou comme vous voulez, bon bref, j'espère vraiment que ça va vous faire plaisir ce petit message d'accueil, c'est vraiment sympa, bon voilà, c'est un petit truc vraiment gratuit, fun, cool, j'avais envie de le mettre. Ensuite donc, dans la rubrique accueil, vous aurez quoi? Donc la discussion, vous pouvez donc parler avec d'autres personnes, une rubrique musique où vous pouvez donc taper une commande pour avoir de la musique directement dans votre salon de communication. Ensuite vous avez une rubrique recherche joueur. Pourquoi avoir créé ça? Ben, tout simplement si vous recherchez des joueurs sur un type de jeu en particulier, vous avez juste à taper un message là-dessus avec @everyone. Comme ça, ça enverra le message à tous ceux qui sont dans mon Discord. Et comme ça, vous pourrez peut-être rencontrer d'autres personnes afin de jouer à tout type de jeu vraiment sympatoche que vous appréciez vous également. Ensuite, vous avez une rubrique suggestion. Pourquoi? Tout simplement, vous pourrez ici également taper un message pour vous donner des petits conseils ou des petites informations afin d'améliorer la qualité de mon Discord. Comme vous avez vu ici, je vous ai donc mis un petit message histoire de vous expliquer. Ensuite ici vous avez trois salons vocaux, un salon AFK pour ceux qui sont AFK pendant 5 minutes dans un salon vocal. Ensuite vous avez un salon vocal général et un salon vocal pause détente. Ensuite j'ai créé donc une rubrique information où vous aurez donc l'affiliation par rapport à ma chaîne YouTube, notamment parce que je suis affilié à Instant Gaming. Également par rapport à ma chaîne YouTube, à chaque fois que je posterai des vidéos sur ma chaîne YouTube, vous aurez directement un petit message ici où vous aurez juste à cliquer sur le lien afin de voir ma vidéo sur YouTube, mais également de pouvoir mettre des petits smileys, des petits pouces verts, etc. si ça vous a plu, mais également des petits messages comme quoi on est en stream, moi ou certains de mes collègues, comme ça vous le saurez directement. Ensuite ici vous avez donc la config de mon PC, également la config des PC de mes collègues, comme ça ça peut vous donner une petite idée de quoi nos PC sont capables afin peut-être pourquoi pas à vous aussi d'acheter des pièces d'ordinateur afin de l'améliorer. Ensuite vous avez donc ici une rubrique projet YouTube, donc c'est par rapport à mes projets de mes futures séries que je suis en train de faire. Vous avez également une rubrique jeu où notamment ici j'avais mis un petit hashtag top 1 PUBG où on mettait donc des screenshots de mes top 1. Donc vous allez voir tous les top 1 que j'ai fait à l'heure actuelle sur PUBG. Mais surtout, ce qui est là est intéressant, c'est que j'ai créé plusieurs salons vocaux, notamment pour différents types de jeux comme Ark, Fortnite, GTA 5 Roleplay, voire même GTA 5 je pourrais mettre, Minecraft et PUBG. Après, si vous avez d'autres types de jeux que vous jouez et que vous voulez voir comme salon vocal, n'hésitez pas à me le dire par commentaire et je vous mettrai directement ceci en place, comme ça vous aurez votre propre petit salon vocal à vous. Et ensuite, donc, comme je vous ai dit, donc j'ai mis un salon, ou plutôt une rubrique admin, mais ça, c'est pour moi et mes collègues. Voilà pour ce qui est un peu de mon Discord. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord, c'est totalement gratuit, comme je vous ai dit. Mais également, n'hésitez pas à aller dans la rubrique suggestions, afin de me donner quelques petits conseils ou quelques petits trucs que vous aimeriez bien avoir sur mon propre petit Discord, afin d'améliorer la qualité de ce Discord-là. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai créé ce Discord? Comme je vous ai dit, c'est pour interagir avec vous. Pourquoi pas faire des vidéos avec vous sur mon Discord? Comme ça, je vous entends directement le son de votre voix. Ça sera beaucoup plus sympatoche. Et en plus de ça, donc c'est une sorte de marketing, c'est-à-dire que je peux également faire de la publicité par rapport à ma chaîne YouTube. Voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo-là vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus pour m'encourager. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous en pensez. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook, de Discord, de Twitter, d'Instagram. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.